deux jours suivants ont été réservés à des ateliers de karaté. Grâce aux informations collectées lors de la visite, animée par M. Magayay, M. Alexis Kemajou et M. Mabrouk Segère, des ateliers de calcul de mesure le jeudi 30 juin et des ateliers de rédaction et de présentation des rapports le vendredi 1er juin. Le tout a été clôturé par la remise des attestations de formation, présidée par M. Amadou Lamine Gaye, directeur du bureau de mise à niveau du Sénégal, en compagnie de M. Jean-Pierre Mbouti, responsable du projet à l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie, IEPF. Déjà de partager une session de formation sur notre manière de procédure, donc c'est un de nos partenaires. Chers voisins, félicitations et puis tous mes encouragements. J'espère qu'il y a des entreprises sénégalaises qui ont la fille. Voilà. Félicitations. Merci, félicitations. Voilà.
l'organisation. À toutes les institutions, à tous les collègues et amis qui ont participé de près ou de loin à la réussite de ce séminaire, et je souhaite à mes collègues participants la réussite dans la levée des défis de l'efficience énergétique et du développement durable, chacun dans nos pays, pour un lendemain meilleur pour nos pays et nos enfants. Merci de votre attention et main dans la main pour un avenir meilleur. Représentant de l'IEPF, M. Jean-Pierre Doudoum, mesdames et messieurs les séminaristes, mesdames et messieurs les journalistes, je me réjouis de prendre la parole au nom des formateurs dont j'ai ici l'honneur de représenter pour vous dire surtout merci à l'IEPF qui a ménagé tous les efforts pour que ce séminaire ait lieu à Dakar, malgré les événements qui ont eu lieu dans la sous-région. Monsieur Jean-Pierre Doudoum, par votre voix, transmettez nos sincères remerciements à Madame Dia Touré, la directrice de l'IEPF. Monsieur le directeur du bureau de mise à niveau, Monsieur Lamine Dia, nous vous remercions car malgré les multiples tâches dans votre structure dont vous avez la charge, vous avez accepté d'encadrer à fond ce séminaire au vu des moyens mis en œuvre. Merci à la SACREC par la voix de M. Ousmane Diaye qui a couru le risque d'arrêter près de 30% de sa production mercredi dernier pour accueillir les stagiaires dans ses ateliers afin de leur faire bénéficier d'un savoir-faire. Nous vous sommes gré, monsieur le représentant de la SACREC, pour avoir mis à notre disposition les techniciens qualifiés pour aider nos apprenants à comprendre toutes les utilités de l'usine sur le plan énergétique du génie des procédés. Merci aux apprenants pour leur écoute active tout au long de ces deux semaines. Chers apprenants, merci de nous avoir suffisamment éprouvés pendant ces deux semaines. C'est par cette voie que nous avons été convaincus vous avez mérité votre place de participant à ce séminaire et que de surprendre la sélection des candidats effectués par le bureau de mise à niveau à ce présent séminaire a été très rigoureux. Enfin, nous disons merci à toute l'équipe du bureau de mise à niveau encadrée par M. Magaï Diaye qui ont abandonné époux, enfants, bref leur famille pour se mettre à notre disposition tout au long de ces deux semaines. Monsieur le directeur, je vous remercie. Juste un certain nombre de petits rappels pour nos amis experts ici présents, parce que je commence déjà à vous considérer comme tel. Alors, le premier point que je vais échanger avec vous, c'est surtout sur les généralités, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Ce sont actuellement des thèmes d'actualité. Nous en avons parlé dans le passé. Beaucoup ont voulu en faire une sorte de promotion un peu contre le gré, parfois même des politiques et des décideurs. Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Il faut savoir que à partir des années qui vont arriver, seront les années de l'efficacité énergétique et les années des énergies renouvelables. L'année 2012 a été classée par les Nations Unies comme l'année de l'énergie. On va de plus en plus parler des notions que vous avez abordées aujourd'hui. Oui, cette formation entre autres actions s'inscrit dans le renforcement de l'expertise nationale. On ne pourra pas parler d'efficacité énergétique dans notre tissu industriel si les acteurs, je vous parlais des responsables énergie au niveau de ces entreprises, ne disposent pas des compétences et de l'expertise nécessaires. Et aujourd'hui, nous saluons donc l'appui de notre partenaire qui est l'IEPF, l'Institut de l'Environnement et de l'Énergie de la Francophonie, organe subsidiaire de l'OIF, qui nous a aidés à abriter cette année cette formation au Sénégal. Et vous savez ce qu'on doit retenir, c'est que cette formation qui était prévue pour une vingtaine de personnes a finalement été
agrandi pour recevoir une trentaine de personnes. Et sur les 13 pays participants, nous avons 15 participants qui viennent des industries locales, du Sénégal donc. Donc nous devons nous réjouir que le Sénégal ait bénéficié de cette formation en mettant au moins 15 techniciens qui ont participé à cette formation. Il faut dire que c'est une formation que nous, nous menons déjà depuis une dizaine d'années. C'est une formation qui est rodée, que nous connaissons, où il y a très peu de recommandations qui soient des recommandations, je dirais, théoriques. C'est une formation pratique. Et la principale recommandation que nous avons, s'il y en a une, c'est que les personnes qui ont été formées mettent en application toutes les connaissances acquises et tous les modules de formation. Nous attendons d'eux qu'ils soient sur le terrain et réalisent des projets avec les outils que nous leur avons fournis. Elle a été très enrichissante et on retourne chez nous très satisfait. On espère qu'on va vraiment pouvoir exploiter ce qu'on a appris pour que aussi d'autres apprennent. On ne va pas garder ça pour nous. Je trouve que la formation est très intéressante et elle a réussi. On a atteint tous nos objectifs et je pense qu'on va revenir ici pour d'autres affaires et pour avoir partagé nos expériences. C'est les mêmes objectifs pour lesquels nous sommes venus et probablement j'espère qu'on reviendra. On reviendra. Et avec le réseau que nous avons créé, j'espère qu'on va multiplier ce nombre de collègues au lieu qu'ils s'effritent dans l'air comme ça. On va le multiplier, on va en profiter pour faire plus de renforcement de capacités, plus de travail ensemble, plus d'enrichissement de connaissances, plus de formation. L'union fait la force. Bonjour, donc je m'appelle Cheikh Ousmane Bakédia, je suis du Sénégal. Je suis chef du service intervention au niveau de la SATREC. J'ai été choisi en tant que séminariste parmi mes collègues. On est à peu près une trentaine qui venons de plusieurs pays. J'ai eu aussi l'occasion de faire visiter et de faire partager au niveau des travaux pratiques à mes collègues la société SATREC qui viennent pour qu'ils puissent faire un peu les exercices sur le terrain de ce qu'on a acquis comme formation ici au niveau de avec l'IEPF. Donc c'est une formation assez enrichissante dans le plébiscité par tous les candidats, tous les participants. Elle a pu nous permettre en fait d'aborder plusieurs aspects d'économie d'énergie concernant plusieurs domaines qu'on retrouve en fait dans les industries en général et même au niveau du bâtiment. Donc je pense qu'on en a bien profité, aussi bien les experts que les ingénieurs qui sont des maintenanciers ou les chefs d'industrie qui ont eu à participer. Et je pense que la balle est dans notre camp. Mon nom c'est Adrien Bia, je suis béninois, je viens du Bénin, de Cotonou au Bénin. Nous sommes venus pour une formation sur la maîtrise de l'énergie dans l'industrie et le rôle du responsable énergie. Donc la formation a été très bonne. Nous avons appris beaucoup de choses et ces choses apprises vont nous permettre d'arriver dans nos pays, de les mettre en pratique et à travers cette pratique, l'objectif désiré pourra être atteint. Donc voilà un peu la situation. C'est ainsi que s'est achevé le séminaire de formation sur la maîtrise des dépenses énergétiques dans l'industrie et le rôle du responsable énergie. Rendez-vous est pris pour septembre 2011.